Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour. Merci Irène. Donc je viens bénir cette vidéo, bénir la conversation que je vais avoir avec vous. Je demande aussi l'assistance des ancêtres. Je vous dis sans cesse depuis quelques jours que vous êtes dans un moment délicat. Vous êtes dans un moment délicat parce que vous êtes en train d'être. Vous avez traversé un processus d'épuration. Je peux dire que vous êtes dans la dernière phase. C'est pour ça que d'ailleurs certains d'entre vous, vous ressentez le besoin. C'est comme si vous devez passer à l'étape supérieure. Donc il y a des choses dont vous devez vous rappeler. Il y a des personnes qui doivent quitter de votre vie. Et c'est ce qui va accélérer votre pouvoir de manifestation. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez... Bonjour TikTok. Beaucoup d'entre vous... Vous avez, c'est un peu comme si les lavages spirituels que je vous enseigne, c'était la dernière étape que vous deviez apprendre pour compléter votre cycle. Donc je viens préciser, parce qu'il y a beaucoup de scammers qui utilisent mon image et mon nom pour escroquer les gens. Je ne vous contacterai jamais en inbox. Je n'ai pas de profil où je m'appelle Reine quelque chose. Je ne poste pas sur ma page personnelle. J'ai une page personnelle, mais je ne poste pas, je ne communique pas là-dessus. Donc, quand les gens vont vous contacter, vous vous demandez de l'argent, surtout sur Facebook, sachez que je ne suis pas dedans. Demandez-leur un appel vidéo ou un voice. Dis-leur, ok, comme c'est toi, alors appelons-nous, alors on parle, vous connaissez ma voix. Il y a une qui m'a dit hier que dès qu'elle a demandé l'appel vidéo, ils ont fui. Bon. Parce que je sais qu'ils sont très nombreux sur ma page maintenant. Ils créent des profils. Toutes les heures, ils sont en train de créer un nouveau profil. Donc, ce n'est pas moi. Tant pis si vous partez, vous donnez votre argent là-bas. Vous allez dealer avec eux. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous venez, vous n'aimez pas suivre les vidéos que je fais. Vous ne voulez pas écouter ce que je dis. Vous voulez seulement vous lancer une fois. Oh, parle-moi d'abord. Non, même quand tu me contactes, tu demandes la consultation. Je demande d'abord, est-ce que tu te laves avec le sel? Ceux qui m'ont déjà parlé, vous connaissez ça. Si tu me dis que tu te laves pas avec le sel, je doute. Tu as peut-être 3% de chance que je te parle. Merci pour le partage, Meriga. Bonjour. Donc faites attention parce qu'ils vont vous contacter inbox. Ils vont vous demander de l'argent. Je ne suis pas au Bénin. Je suis jamais parti au Bénin. Il fallait que je précise. Voilà. Donc,
Je n'envoie pas les invitations aux gens. Je n'ai même pas le temps pour ça. Je n'ai pas de compte privé Facebook qui fonctionne. Mon seul compte privé, ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas posté dessus. Je n'ai pas fait le direct, rien fait dessus. Je suis trop prise avec les pages professionnelles. Je précise ceci parce que vous allez encore, ils vont encore le faire. Et je crois que vous connaissez comment je fonctionne. Voilà. Bon, je crois que vous savez que plus vous allez vous élever, plus vous aurez des tentations. Donc, les concours, avoir la consultation, dès que tu commences à écouter ma vidéo, Arlim, premièrement, peu importe le pays où tu te trouves, commence déjà à te laver avec du sel. Ce matin, et soir, j'en parle tout le temps. Le sel va préparer ton énergie. Le sel va préparer ton énergie pour qu'on se parle. Les ancêtres m'ont mis un livre ici. Les mots de mes livres. Je n'ai pas lu depuis 2 mois qu'ils m'ont donné ça. J'ai déposé le livre sur ma table. Pendant que j'entends vous parler, le livre tombe. J'ai compris. Je vais lire le livre là. J'ai compris. Ouais. Voilà. Je crois que je vais demander qu'on signale ce compte-là. Parce que là, ça devient un peu trop. Mais bon, je vous préviens aussi, hein, vous qui me, vous mes followers là, si vous partez vous faire scammer, je vous montre tout le temps comment ne pas vous faire arnaquer par les gens ou bien vous faire exploiter. Comment vous êtes-vous pour partir vous faire exploiter encore par ce genre de personnes? Je mets mes numéros ici là sur Facebook. Pourquoi vous pouvez partir en privé pour vous envoyer un message? Arrêtez. Parce que vous êtes aussi, vous cherchez des charlatans, vous aimez ça. Vous savez que je suis contre ça. Je n'aime pas. Vous aimez les 10 heures de bonne aventure. Donc tu te laves avec du sel. Après 3 jours, tu peux déjà commencer, tu me contactes. Et voilà le numéro sur ma page. Je te donne le numéro 00237 680 71 0701. Le deuxième numéro, c'est le 00237 693 50 22 66. Pour payer les dîmes, ne payez plus les dîmes chez les représentants ou n'importe qui, je ne veux plus. Si je n'arrive pas à payer ta dîme dans un de mes numéros personnels ou envoyer à Douala, tu laisses. J'ai trop de détournements, les gens qui veulent détourner ce que je fais. Un matin, je me connecte sur Facebook. Avant de faire le plus direct, j'ai un jeune homme qui m'écrit, il me dit voilà, je viens de payer 5000 francs, c'est tout ce que j'avais sur moi. J'ai béni le gars, c'est après que je me suis rendu compte que c'était l'escalade qui avait pris son argent. Parce qu'on donne les numéros, vous ne partez pas utiliser les numéros, vous partez, vous laissez. C'est même, ça passe même comment dans la tête de quelqu'un, parce que tu me vois sur la page. Quelqu'un t'écrit, te donne un numéro qui est au Bénin, je ne sais pas trop où. Tu peux commencer à parler avec la personne. Et la personne t'a pris dans les commentaires, toi aussi. En tout cas, si vous avez, vous voulez jeter votre numéro là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais répéter les numéros. Quel que soit ton pays, voilà les numéros. Si tu veux parler sur Facebook pour regarder, sur la page, j'ai mis officiellement les numéros. Tu contactes, j'ai deux numéros. Deux numéros. Ma page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E-G-I-F-T espace D-I-G-G-E-R espace Academy. The Gift Digger Academy. Voilà. Facebook et YouTube, voilà les deux noms. Là-bas, il y a plein de vidéos. Donc, j'ai dit, si tu me tombes sur ma vidéo, tu écoutes, tu veux plus que ça. Peut-être que je n'ai pas prêt pour aller dans la formation spirituelle. D'ailleurs, ceux qui vont commencer la formation spirituelle avec moi, j'ai encore d'autres instructions qu'on m'a données ce matin. Donc, je comptais faire une petite formation de quelques personnes, mais c'est plus vaste que ça.
Je vous ai parlé des pouvoirs qu'on doit activer chez vous. Voilà. Donc, la formation devait la commencer le 1er. Le 1er, ils n'ont pas permis. J'ai remis ça aujourd'hui. Même aujourd'hui encore. Ce matin, ils m'ont dit, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Parce que je dois vous envoyer d'abord vos outils spirituels avant qu'on commence. Donc, ceux qui veulent rejoindre la formation aussi, vous pouvez vous joindre. C'est la première et la seule formation qu'ils m'ont dit, on ne paye, il n'y a pas de tarif. Maintenant, je ne prendrai pas 5 000 francs. Moi, je me dis cash. Si tu ne peux pas sortir là, on paye ta formation spirituelle. Ça veut dire que même qu'on va te demander d'acheter le chapeau, le bâton de commandement, tu ne vas pas acheter. Il y a d'autres objets spirituels qui m'ont dit que je dois vous envoyer. Parce que la première étape de cette formation, ce sera d'enlever les malédictions sur vous. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qu'il est dit dans la formation. Donc, tu me regardes, tu as commencé à écouter mes vidéos, tu as commencé à te laver avec le sel. Là, tu veux la consultation. Parce que je mets aussi toutes tes étapes pour que tu rassembles l'argent. Beaucoup d'entre vous pleurez, oh, je n'ai pas l'argent. Consultation en express, c'est 100 euros ou 110 dollars. Et le numéro, c'est le 00237. Donc, plus 237. 680 71. Donc, 680 au début, 71. 07 01. Le deuxième numéro, plus 237, 693, 50, 22, 66. Quand vous écrivez, soyez patient. Et si vous avez demandé un lavage, sachez qu'on a fait le lavage. C'est que beaucoup d'entre vous, votre problème, tu m'as pas envoyé la vidéo du lavage. Si tu m'as demandé le lavage et je t'ai pas envoyé dans les 3-4 jours, en écrivant pour demander, sache que j'ai fait ton lavage. Parfois on fait le lavage, on enregistre les vidéos, après le téléphone, je sais pas, il y a un trop problème sur le téléphone. Mais je sais qu'il prend vos photos pour faire votre travail, je fais. Donc j'ai donné les numéros, plus 237, pour ceux qui sont au Gabon. Le Gabon, c'est le 0741-80080. Donc 074-18-0080. Donc 074-18-0080. Ça, c'est le numéro du Gabon. Et le Airtel Money du Gabon, 0741. Et tellement c'est différent, pardon. 0747 pour le Gabon. 3979. Et le nom, c'est Jean d'Éric. Ça, c'est Etel Moni du Gabon. Le nom, c'est Jean d'Éric. Maintenant, pour la France, vous contactez le Cameroun, ils vont vous donner le numéro de la France. Tous les autres pays que vous voulez contacter, le numéro, là, on va vous donner le numéro approprié. Si vous ne pouvez pas partir sur Facebook. Bon, je vais commencer à vous donner donc le message que j'avais pour vous. Ce n'est pas le moment de blaguer. Prenez. Beaucoup d'entre vous, bon, TikTok, je peux dire que Facebook, ça fait au moins 3, je dirais même 6 mois que je travaille avec Facebook. Pour certaines personnes, ça fait 1 an. Le 19 août, ça fera 1 an que vous m'avez rencontré sur Facebook la première fois. TikTok, ça fait seulement 4 mois. Donc, beaucoup de. Je peux dire que les gens de Facebook ont déjà beaucoup fait des traitements. Merci beaucoup, Chevalier. C'est un truc personnel. J'ai fait personnaliser ça moi-même. Vous savez que moi, j'aime les. Donc, on a mis le top dessus. Attendez, je vais vous montrer le vêtement. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris ça et j'ai personnalisé moi-même. J'aime beaucoup personnaliser mes vêtements. Donc, on a mis du top sur le côté. Aussi là. Ouais. On les courit. Vous savez comment les vêtements chez moi, par exemple. En tant que choisi, vous devez avoir beaucoup de courriers sur vous. Le courrier attire beaucoup d'argent.
Il y a le Cori et puis il y a. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Oui, vous pouvez payer votre dîme sur Airtel Money du Gabon. 0747 39 179. Et le nom, c'est Jean d'Éric. Voilà. Donc vous avez, je vous parlais des objets marins. Excusez-moi, je vais dans tous les sens, mais bon, celui qui a saisi quelque chose va saisir. Donc, parfois quand vous êtes à la plage, vous ramassez les coquillages. Vous les bénissez, vous les couvrez d'amour, vous mettez dans votre maison, vous avez dans votre sac à main. Donc il y a les coquillages, tout ce qui sort de l'eau, et puis il y a les coris. Bon, moi personnellement, je mets sur tous mes vêtements. Tous mes vêtements ont des coris, vous voyez. Voilà ça. Donc mets sur les vêtements. Voilà. Faut toujours en avoir chez vous. Ok. Je vous disais donc que vous devez, dans une période où vous devez prendre vraiment ce que vous faites au sérieux. On ne me rencontre pas facilement, ma chérie. Roselle, Rose Ali. Même les consultations, c'est ma soeur jumelle qui consulte beaucoup ces derniers temps. Donc les coris, vous devez mettre dans votre porte-monnaie, mettez-en sur vos vêtements, sur vos chapeaux. Par exemple, celui-ci, je ne l'ai pas mis dessus. Bon, ceux qui viennent chez, chez moi à Douala, des choses sont en vente là-bas. C'est en vente à Douala. Bon, j'en ai aussi au Gabon, mais il y a les Home Dog, des choses comme ça. Donc, vous devez arriver dans une phase où vous comprenez que l'argent qui est en train de venir vers vous, ça va dépendre des choses. Et ça paraît anodin. Hein. Maintenant, on te dit de prendre, par exemple, on voit les bracelets ici. On te parle des bracelets. Quelqu'un de normal va se dire, comment est-ce que le bracelet que je mets sur ma main va m'apporter l'argent? Comment est-ce que la cannelle que je vais prendre, je vais souffler à ma maison, comment est-ce que ça va m'apporter l'argent? Vous devez faire ces choses-ci par la foi. Arrivez à un niveau où vous mûrissez, vous arrêtez de demander l'opinion des gens. Et c'est ça qui vous a dérangé dans le passé. Par exemple, l'encens, vous avez vu que j'ai de l'encens. Je vous parle d'encens chaque jour. Et il y a un moment que je vois sur TikTok. Vous devez faire attention à ça. Ils mettent un fond d'écran, c'est le feu. Ils ont juste un enfer. Et puis le titre de la vidéo, c'est genre, quand je vais arriver en enfer, le diable va me montrer que, va me poser la question, montre-moi avec quoi tu me bloquais ou tu me chassais. Et la personne va prendre le sel, il va lancer sur lui comme ça. Le diable commence à rire dans le TikTok. Écoutez bien. Le diable connaît comment vous manipuler. Il connaît très bien. Où est l'encens, vous simplifiez, non? C'est tellement fin, on ne le voit même pas. Dès que ça vient de brûler, tu ne vois pas ce que ça fait. Vous ne connaissez pas combien d'entités entrent dans votre maison chaque jour. Bonjour, Théo. Vous ne connaissez pas. Tu fermes ton bureau, tu pars deux jours le week-end, tu reviens lundi. Ton magasin, là. Tu ne connais pas qui est entré dans ton bureau, dans ton magasin. C'était fermé physiquement, tu ne connais pas ce qu'on est venu déposer là-bas. Tu ne connais pas quel animal spirituel on est venu déposer là-bas. Même si vous vivez en Europe, ne fonctionnez plus avec les yeux physiques. Merci Père Amour, merci pour tes likes. Bonjour. Donc vous ne connaissez pas. Parce que quand j'ai vu le TikTok là, après il y a une autre vidéo, j'ai vu le même principe. Genre, c'est comme si le diable lui demandait, montre-moi avec quoi tu me bloquais ou tu me chassais de ta maison. Et il prend la sauge, il fait comme ça là.
Et dans la vidéo, le diable est en train de rire. Et on s'en rit que, genre, tu crois que ça, là, ça agissait vraiment contre moi. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. Il y en a qui s'agrippent sur ton corps. Il y en a qui viennent sur dans ta maison. Il y en a sur tes enfants. Ne simplifie pas. Il y avait les petites potions que les grands-mères là, faisaient souvent, elles vous donnent de boire. Tu simplifies, tu dis, ah, ça va même faire quoi? On parle tout le temps du thé de désenvoûtement. Le thé là qui enlève la manipulation sur vous. Quand je dis, mais ce n'est que du thé, non. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont pris le thé là, ils ont bu. Et la personne m'a dit, j'avais le ventre ballonné pendant des années. Dunda, I have a new page. I have a new page. And on that page, I make videos in English. Soul is not there to give you money. Soul is there to restore the money that you were supposed to have. Donc j'ai quelqu'un sur TikTok qui m'a demandé. Comment est-ce qu'on utilise le sel pour avoir l'argent? Le sel ne vient pas te donner l'argent. Naturellement, vous avez des étoiles très fortes. Et on vous a bloqué depuis que vous étiez petit. Certains, c'est votre environnement. Certains, ce sont vos parents. Certains, c'est l'éducation que vous avez reçue. I have another page where I publish in English. OK? I started English videos yesterday. So I'm going to look for the name of the page and I'll give you, if you just hold on. Voilà, Bougie 144. Je vous disais que j'ai une page où je vais commencer à poster en anglais. Et mon nom sur cette page sur TikTok, c'est Reine Lumière. Il n'y a pas E à la fin. Donc Reine Lumière sans E à la fin. C'est moi qui ai arrêté le direct. Je partais regarder quelque chose. Donc ça ne dérange pas. Donc, you can go and you subscribe to that page. It's Reine Lumière with no E at the end. J'ai commencé en anglais là-bas. C'est hier que j'ai commencé à poster sur la page là. Parce que je dois vraiment me donner du contenu pour le public anglophone. Voilà. Donc, je reviens maintenant au français. Je disais ceci. Thank you, thank you. You can go on that page and you ask your questions. So I will not put content in English there. I'm closing with you now, ok? Donda. Bon, je disais ceci. Le sel ne vous donne pas l'argent. Naturellement, ma chérie, toute la beauté que tu as là, tu devais être mariée avec quelqu'un qui a l'argent depuis longtemps, que toi-même tu as d'abord bien l'argent. Maintenant, il y a des choses que ta famille a faites. Il y a encore des choses que ta famille n'a pas faites. Les choses que ta famille a faites, c'est qu'il y en a parmi vous, vos tantes, vos oncles, là, ils ont su que vous aviez une bonne étoile depuis longtemps. Maintenant, ils sont partis, ils ont utilisé vos étoiles pour se faire de l'argent. Ils ont bloqué vos parents. Certains ont bloqué vos parents financièrement, si bien que vos parents n'avaient pas le choix, vous envoyez chez eux. Et c'était là où ils coinçaient vos parents. Parce qu'ils savaient que quand vous êtes dans leur maison, ils vont utiliser votre étoile pour avoir l'argent. Tony, good morning. Mon email. Espérance. Je lis très peu mes emails. Hein. Maintenant, les choses que les gens n'ont pas fait, c'est quoi? Ta mère t'accouche. Ta mère sait que tu as les dons. Deux, trois fois pendant la grossesse, les gens l'arrêtent. On lui dit que l'enfant que tu portes là, il sera grand. Il sera quelqu'un. Ta mère comprend. Mais elle ne fait rien.
Elle ne fait rien. Tu es exposé, tu grandis, ta grand-mère te prend sur tes pouvoirs, tes tantes, oh. Maintenant, tu grandis, tu arrives à un âge adulte. Thank you very much, Joker. Have a nice day as well. Tu grandis, tu as 30, 35 ans. Tout ce qu'on n'a pas fait, ça t'a bloqué. Tu commences maintenant à faire. Tu commences le sait. Et chaque matin, Dieu a prévu pour toi une portion d'argent. Quand tu commences à te laver avec le sel, ça restaure l'argent là. Yannick Ebenga, tu dis que tu n'aimes pas le genre de pratique, il n'y a pas de souci. Quand il parle, c'est chacun qui sent ça dans son corps. Parfois tu es bloqué, c'est parce que ta famille n'a rien fait pour t'aider. Et le jour où il voit tes dons commencent à s'ouvrir, j'ai toujours su ça. Quand j'avais 2 ans, on m'avait dit, parfois c'est ta mère même qui va dire, oui, on m'avait dit que tu, maman, pourquoi tu n'as rien fait? Est-ce que vous savez qu'il y en a parmi vous, comme depuis que tu as 7 ans, tu devais être une star? Les gens de peut-être évasion ou de délire, un show peut-être quand tu étais jeune, il y avait un show qui passait à la télé. Un jour, ta mère avait rencontré l'organisateur de ce show. Et l'organisateur avait dit à ta mère que ton fils là, je veux le prendre avec moi. Donne-le, je vais être son mentor. Je vais le former, il sera une star. Ta mère rentre. Ta mère rentre à la maison. Ton oncle là, qui est son frère, qui était toujours jaloux de ta mère, elle dit bêtement comme ça là, que non, on a rencontré quelqu'un, il nous a donné son numéro. Voilà, il faut que je l'appelle. Ah! On m'a dit qu'il est dans la sorcellerie. On m'a dit qu'il est dans la sorcellerie. Il va prendre l'enfant là dans la sorcellerie. Voilà comment tu es passé devant ton opportunité comme ça. J'ai un de mes cousins qui me dit récemment que bonjour la reine Anneli. Merci beaucoup. Il me dit récemment que une de ses tantes est à l'étranger, au Canada. Elle a voulu prendre son frère. Depuis que le frère l'avait dans les 10 ans. C'est la petite soeur de leur mère qui n'a pas dit que non. Il va aller là-bas. Non, il va me faire quoi là-bas? Il faut que d'abord qu'il obtienne le bac. Il faut d'abord qu'il obtienne le bac. Écoutez, il y a les gens que les réunions familiales. Ne venez plus mettre votre situation devant les réunions familiales. Vous leur dites que qu'est-ce qu'on décide pour mes enfants? Je vais envoyer mes enfants en Europe. Ce sont tes enfants. Depuis que tu as accouché, que tu es parti, tu le dis. Voilà la rentrée. Combien de rentrées t'ont dit que voilà l'argent pour l'enfant? Ah, voilà, je vais commencer les papiers de l'enfant cette année. Tu vas voir. On va bloquer les papiers de l'enfant là jusqu'à ce que tu vas confirmer le compte. Même si tes enfants vivent chez ta soeur, toi tu es en France, tu es en Belgique. Demande à ta copine de partir faire les papiers de tes enfants. La période où il faut aller faire les deux. Tu dis qu'on va envoyer les enfants là-bas en week-end chez ma copine. Tes enfants arrivent chez elle. Et elle précise à tes enfants. Toi, tu dis aux enfants, quand vous rentrez chez tantine telle, ne lui dites rien de ce qu'on a fait hier. Oui. Tu dis ça à tes enfants, d'accord. Ils sont d'accord. Ils disent que même si on les tape n'importe comment, ils ne disent rien. Lundi, les enfants repartent, ils rentrent chez tantine. J'ai leur tantine, ils vivent là-bas. Ta mère ne va pas t'aider 26, tu peux être ou c'est 25 ans. Parfois l'enfant est chez ta mère et ta mère dit tout ce que tu fais à tes autres frères qui ne t'aiment pas.
Les papiers des enfants que tu vas encore faire le tour, c'est ne dis pas à ta mère. Tais-toi. Parce que dès que tu dis à ta mère, après ta soeur dit. Et ta soeur, elle ne veut pas ton bien. Si vous ouvrez vos yeux, mon chonom, mon chonom, voyou. Donc, je disais bien que c'est nécessaire pour vous d'être radical. Même le jour où les enfants voyagent, l'acte qu'ils ont gardé là, ils calent avec. Va refaire l'acte des enfants. Envoie ta copine, va refaire l'acte des enfants. Le jour où ils voyagent, ils disent, quand vous allez en week-end chez tata, chez mon ami Solange là, ils arrivent chez Solange comme ça là, le même soir là, ils sont dans la vie bâti. Voilà, Anneli, si tu as appris à fermer ta bouche devant ton fiancé, c'est bon. Beauty, je suis bien arrivée à Libreville, oui. Je suis là. Changi Chuan, wayo. Yep. Il dit que tes enfants partent en cachette. Ils partent en cachette. En voyant que les enfants sont arrivés. Et ils sont partis quand? Hey, elle est méchante. Je suis ici avec les enfants, elle ne me dit pas. Avant, j'étais simpleton, bêteton, idiotiton. Mettez tous les noms que vous voulez sur ça, vous mettez ton à la fin. Quand elle faisait quelque chose. Si tu es bloqué, commence à te laver le sel. Je vous dis ça chaque jour. Mince. Ma tousse là. Je te chasse tout. Je ne connais pas mal à tout. Au nom de Jésus. Donc je redonne les numéros. On a seulement quelques numéros. Si tu sais que ton chéri parle trop, certaines choses tu ne dis pas. Dis-lui quand c'est déjà fait. I will not go astray from my subject. Ok? Tamzi. Mettez la discrétion. Commence avec le simple sel. Après, tu viens acheter le sel chez moi. Le sel, tu as acheté le sel que j'ai béni. Voilà, Lucie dit que le lavage avec le sel et l'Epsom, le pipi sont tellement efficaces. Merci beaucoup. Ton corps vibre parce que ça est en train de t'activer, de te restaurer. Il y a certains de vos frères qui ils ne voulaient pas que vous partiez en bain. Quand vous avez échappé pour cette partie, ils ont bloqué vos enfants en Afrique. J'ai une de mes représentants l'autre jour qui me fait le message. Elle était tellement contente. Elle me dit, son fils a 17 ans. Elle a fait venir clandestinement en Europe. Elle a la nationalité, mais quand elle est arrivée en Europe, elle n'avait pas déclaré qu'elle avait l'enfant. Si les consultations ne sont pas en express, c'est 33 800. 50 euros. Si ce n'est pas express, mais si c'est express, c'est 100 euros. Tu vois, tu es dans quelle ville? Tu peux commander le sel. Donc, attendez, raconte-moi l'histoire de la dame-ci. Elle dit donc que son fils, elle a fait venir son fils clandestinement.
Et l'enfant était là depuis à chercher le moyen pour intégrer l'enfant, pour qu'il ait les papiers. Le premier, vous savez, on a fait le jeûne, on a jeté le jeûne le 28, 29, 30 juillet. Donc, elle a commencé à jeûner et je me rappelle bien le premier quand je faisais les lavages et qu'on déclarait. On a Ange Bams, tu veux me représenter? Est-ce que tu as acheté un de mes produits? Elle me dit qu'elle avait déclaré que son fils va obtenir ses papiers et tout ça. Ça n'a même pas fait. On est le 20e. Elle m'envoie un message avant-hier. Elle me dit qu'on a déjà donné autorisation de résider sur le territoire à l'enfant. Et quand c'est 18 ans, on va l'intégrer, on va le mettre dans le système. Donc, c'est à 18 ans qu'il va pouvoir déclencher le processus pour avoir les papiers. Mais il est dans le système. Elle était tellement contente. Certains ont bloqué vos enfants en Afrique. Et toi aussi, tu n'es pas discipliné. Tu commences le travail spirituel, après tu laisses. Tu commences parce qu'ils savent que si tes enfants viennent à côté de toi, ce qu'ils ont fait sur toi, ils t'ont bloqué toute ton enfance parce que ta mère était bête. Ils ne peuvent pas faire ça sur tes enfants. Parce que tu vas protéger tes enfants. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas laver tes enfants. Tu vas les corriger. Tu vas les fouetter. Et certains d'entre vous, même si vous vivez, vous mangez votre appel matin, midi, soir, vos enfants doivent être à côté de vous. N'envoyez plus les enfants chez les gens. J'insiste tellement dessus parce que vous voyez les dons que vous avez en vous là, non? Vos enfants sont multipliés par 10. Et certains de vos papas ou mamans d'enfants se laissent utiliser par l'ennemi pour vider vos enfants de leur pouvoir. Parfois, il prend l'enfant, il le néglige. Il prend l'enfant, il dépose l'enfant chez sa mère. Ou bien il prend l'enfant et les enfants, ils voyagent. C'est comme ça qu'on maltraite ton enfant, on abuse de l'enfant. Tu vois, ça vide les pouvoirs de l'enfant. Beaucoup d'entre vous, quand vos yeux s'ouvrent, même son enfant, même si vous avez vendu l'enfant à quelqu'un, repart, tu lui donnes son argent, tu reprends ton enfant. Il y a les lavages à distance. Il y a les lavages à distance. Il y a les offrandes à la mer qu'on fait toutes les semaines. Les promotions sont terminées. Donc, Lucie, l'homme est méchant naturellement. On est dedans. C'est un peu comme si tu dis que tu ne veux plus respirer. Maintenant, tu vas apprendre à dealer avec la méchanceté des gens. Que ça ne te touche plus. Et tu récupères ce que tu devais avoir depuis longtemps. Un instrument, tu sais, si tu sais que Dieu avait besoin de te parler, écoute, crois. Et cette fois-ci, comment ça fait? Beaucoup d'entre vous, il y a des gens de votre famille que vous ne voulez pas les enlever derrière vous. Et pourtant, c'est nécessaire. Un jour, on a une dame qui est venue témoigner ici, là. C'était la grâce de Dieu. Elle est venue témoigner ici. Comment sa tante avait volé son étoile? Elle a dit comment on avait bloqué, mariage bloqué, enfantement bloqué. Quelqu'un a 37 ans de toute ta vie, tu n'as jamais été enceinte de même fois.
jusqu'à là, ça m'a apporté. Je vais bien, merci. Et vous savez qu'il y a des choses que vous fuyez depuis. On vous dit, prends la bouteille d'eau. Sur TikTok ce matin, j'ai montré, j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment obtenir la faveur dans une terre, dans un pays où tu vis. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous a pas montré ces choses-là. Bon, laissez-moi parler. Là, c'est donne-moi tout. Hein. Quand on se voit le donne-moi tout chez eux, là, c'est donne-moi tout. Et mets ça sur la langue. Là, déjà arrivé, vous n'allez pas se sentir. Ceux qui vont se déconnecter, déconnectez-vous. Ceux qui vont attendre, vous attendez. Je vais aller faire mon tout pour voir.
Amine Kabil, c'est le numéro de qui que tu laisses là-bas? Sandra, hop, je suis là depuis longtemps. Ça fait presque 1 heure que je suis là. Bon, je vous préviens de faire attention aux gens qui vont vous contacter avec des faux profils. Je ne vous contacterai pas inbox. Donc, si vous cherchez les gens qui vont aller vous donner des mots d'aventure, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas diseuse de mots d'aventure en inbox. Généralement, mes consultations, je les fais en appel vidéo. Vous-même, vous connaissez. Même si c'est moi que vous contactez, demandez que est-ce que je suis vraiment sur la reine? Oui. Prouvez-moi que c'est bien vous. Voilà. Même moi, je dois vous prouver que c'est moi qui vous parle. Oui, ça va. Je vous ai donné mes numéros. R00237 680 71 07 01. R00237 680 71 07 01. Merci pour les cœurs. Ok. Je vous parlais des enfants avant de partir. Je vous parlais de vos enfants. Parce que le but de l'ennemi, c'est que de génération en génération, que vos destinées soient retardées. Et si tu as découvert pour toi, ta destinée commence à s'ouvrir à 40 ans. Imagine si ton enfant de 10 ans, ce que tu fais sur toi, tu commences à appliquer ça sur ton enfant. Maximum, à 12 ans, l'enfant va commencer à manifester. Il y a certains de vos enfants que si vous faites des offrandes pour eux, vous priez pour eux, vous commencez à les laver avec le sel. L'enfant va commencer à entendre et à voir. C'est un esprit. L'enfant s'est levé à te dire que maman, on m'a dit de faire ça. Maman, on m'a dit de ne pas partir à tel endroit. Et quand l'enfant va parler, ton cœur, tu vas savoir que c'est pas l'enfant qui est en train de parler. With my sword and urine, but when I'm walking, everybody's looking at me. Ça restaure ton éclat, ma chérie. Le pipi et le sel, ma chérie. Ça a une force là. Et enseignez tout ce que je vous enseigne à vos enfants. Parce que ce sont des principes qui sont là, c'est aussi vieux que le monde. En faisant une vidéo ce matin, je me rends compte que le principe des ancêtres. Mathilde, pardon, on n'est pas ici pour raconter ses problèmes, maman. Tu as compris, mon bébé? Bienvenue, la reine Mathilde. Je ne plains pas les pleurs, je ne plains pas les plaintes. Mais je vous enseigne à vous lever. Où you are? Donc, si tu viens d'arriver sur ma page, peu importe, même si tu n'as même pas 100 francs, prends 25. Tu peux acheter le sel avec. Tu commences à te laver avec. Ton pipi est gratuit. Je vous donne d'abord les astuces gratuites. Et je vous parlais d'un monsieur en Suisse l'autre jour. Ça fait 6 semaines qu'il a commencé à me regarder. La première nuit qu'il est tombé sur mes vidéos, de 20h à 4h, il m'a dit qu'il était en train de regarder mes vidéos. Finalement, le matin, il se lave à leur pipi à 4h, il dort. 10h, il m'appelle, il me dit qu'il a 2 entretiens d'embauche. Et des 2 entretiens, là, une personne l'a pris. Après, une autre personne vient dire que je vais t'enlever du boulot pour te payer plus que ça. Que je quitte de là-bas, tu viens plutôt ici. On signe le contrat, on lui donne. Et pas visiter la maison la semaine qui suit. Peut-être quelques jours après. Hein. Le jour là même, on lui donne la maison. Et c'est la maison qu'il voulait. Quelqu'un qui avait l'argent, il avait des grands rovers, il avait tout ça là. En Europe, donc il avait beaucoup d'argent. Quand on a commencé à démunir le gars là, hein, on l'a touché. Avant de trouver le boulot, il avait fait 6 mois sans travail. Mariage détruit, enfant parti, tout.
Donc, si vous êtes venu sur ma page pour pleurer, vous êtes au mauvais endroit. Il n'y a que la foi qui me stoppe. Le fait que quelqu'un me dise que, hé, maman, je t'ai écouté. L'autre jour, un monsieur a fait un témoignage. Il dit, seulement le sel et les urines. Dans son témoignage, il disait qu'il avait une voiture là que il faisait un peu le clando avec. Il vient à Crébille. Chaque fois qu'il gagnait 5 francs sur l'argent, il partait dépenser 10 francs. Donc pour réparer la voiture, il partait encore prêter mon argent quelque part. Donc donne-moi un peu d'argent pour aller réparer la voiture. Quand il essayait de croiser ses porcs, il avait acheté les porcs. Il faisait l'élevage des porcs. Quand il essayait de croiser, elle ne tombait jamais enceinte. Les truies ne tombaient jamais enceintes. Comme il m'écrivait le message, il disait que sa voiture, qu'il y avait tous les problèmes là. Il a arrangé la voiture. Maintenant, il a commencé les voyages. Jusqu'à les voyages qu'il faisait en 6 heures. Maintenant, il fait ça en moins de 4 heures. Première chose. Deuxième chose, ces animaux-là sont tombés enceintes jusqu'à une dame, elle va bientôt mettre bas. Il avait encore dit quoi? Ceux à qui j'avais lu le témoignage, là, je ne sais pas si il y avait encore quoi dans son témoignage. Voilà, ça, la restauration de sa relation avec sa femme. Il a fait ça après ma fille, il a fait une offrande le jour là. Là, il se prépare, il va venir acheter des kits. Donc, quand vous m'écoutez, il y a des gens qui, quand vous tombez sur ma page, vous n'avez rien. Donc, là où tu es là, comme ça, tu as 500 pour vivre avec aujourd'hui. Tu ne sais pas comment tu vas faire demain. Voilà. Voilà Pierre Précieuse. Qu'elle vient d'avoir une entrée d'argent de 150 000. Elle se lave avec le pipi et le sel. Le pipi, ce n'est pas mon produit. Je ne vous vends pas votre pipi. Parce qu'il y a qui me contacte souvent. Je n'ai pas l'argent. Tu es trop cher. Et même quand tu me contactes, avant qu'elle te consulte, si tu ne te laves pas avec le sel, ne te consulte pas. Vincent, depuis que tu te laves avec le sel, tout le monde veut te voir. C'est ça. Donc je vous redonne les numéros. Plus 237 680 71 07 01 plus 237 680 71 07 01. Deuxième numéro, plus 237 693 50 22 66. Plus 237 693 50 22 66. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Ancien traitement, c'est quoi? Tu dis que Ashley, ça dérange quel ancien traitement? Tu crois que le bain de pipi a pour but de faire quoi en fait? C'est que sur TikTok, c'est là où on vous dit tout. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la malédiction. Pour moi, hein, si tes affaires ne marchent pas, tu es maudit. Je te dis, moi. Donc, Marietta, tu dis que tu laves avec le sel et ton mari qui avait demandé le divorce, l'affaire s'est retournée contre lui.
Merci la reine Denise. Bonjour à la reine Bertine. Et merci. Le bain de pipi ne vient rien faire, mamie. Mamie, si on t'a dit que ça détruit tout, tu laisses, non. C'est un peu comme si quelqu'un te dit que voilà un remède. Ne prends aucun autre remède, parce que si tu prends l'autre remède, là, ça va venir détruire le remède ici. Pour moi, le maximum, le plus vous faites de trucs spirituels, le mieux ça vaut pour vous. Plus tu fais, mieux ça vaut. Tout ce qui bouge, tu tires seulement. Parce que dans le spirituel, tu ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Parfois, vous faites un truc, tu fais un truc, tu dis, ah, moi, j'ai fait, j'ai fait. Tu ne connais pas que tu dois faire 400 choses avant que tu vois le jour. Mm-hmm. Donc on fait 400 choses au moins. Tu es seulement la deuxième chose et tu dis que tu es fatigué. le travail spirituel ne blague pas. Il nous les blagues. Bonjour la reine France, Céline. Merci pour les grâces que je reçois. Le bain de sel, c'est tous les jours, ma chérie. Et vous devez aussi comprendre que quand parfois tu trouves ta voie, ce qui va t'aider. Le diable va envoyer les gens qui vont venir te décourager. Vous devez être fort d'esprit. Clara, reçois ta guérison alors. Voilà le sel que vous demande de faire. Vous dites, tu veux encore quelle astuce contre la main baissée? Ouais, TikTok, comment vous aimez être léger comme ça? Vous n'aimez pas qu'on parle profondément avec vous dans les choses. Je vous en parlé du bain de sel, du bain de pipi. Tu vous amènes une astuce contre les mêmes pensées. Sandra, maintenant je vois ton commentaire. Si tu répétais le même commentaire, peut-être j'aurais vu. J'aimerais gérer Facebook et TikTok. Tu as compris, non? Et parfois, je lis vos questions. Vos questions sont totalement hors sujet. Donc, je ne suis pas obligé de répondre. Tu as compris, non? Ce n'est pas parce que vous avez posé la question que je vais vous répondre. Ceux de Facebook me connaissent. C'est parce que TikTok, vous êtes encore en train de me... Vous apprenez encore à me connaître sur TikTok. Parfois, il fait même une semaine, il ne lit même pas les commentaires de TikTok. Il ne passe même pas sur ça. Parce que vous pensez que comme j'ai posté là, je suis obligé. Je peux fermer mon TikTok. Je suis ici là pour vous aider. Dans la mesure de ce que je peux. Bon. Je sais pas ce que vous voulez dire sur les bracelets. Achetez les bracelets, point. Mettez sur vos mains, point. Portez l'autre sur vos coups. J'ai j'ai un nouveau produit. Je n'en ai que j'ai peut-être 7 colliers. La nuit du jour où j'ai acheté les colliers là. La personne qui me fabrique les produits spirituels, les bracelets et tout ça là. Elle est venue avec. J'ai reçu ça. J'étais à mon bureau avec des gens. Je leur ai dit que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les colliers ici là. J'étais à la Yaoundé la semaine d'avant, j'ai cherché ça. J'ai vu ça chez un monsieur, c'était un peu cher pour moi. Je pensais que c'était cher. J'avais seulement un. Donc quand j'ai vu les colliers, j'ai dit que je suis sûr que c'est ce que j'ai vu à Yaoundé. Là, on avait acheté à Yaoundé à tel montant. Je prends, je mets dans la main, j'arrête. Pour reconnaître les bracelets, les trucs là, quand vous mettez ça sur vous, ça, il y en a pour la protection, il y en a pour la restauration d'énergie, il y en a, par exemple, là par exemple, voilà ce que je porte. Il y a le fer, si ça c'est pour les choisir. Donc ceux qui sont dans la formation avec moi, je vais d'abord vous tester la formation spirituelle qu'on va commencer la semaine prochaine. Je vais vous tester et
La majorité d'entre vous, vous devez recevoir ce bracelet. Ça protège le fer si. C'est pour protéger. Et généralement, ceux qui portent ça, soit on a mis sur toi, soit tu as été conscient ou tu as été toujours attiré par ça, tu as porté toi-même, tu as acheté comme tu as porté. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes auto-initié. Donc vous vous êtes tout enseigné vous-même. Je sais qu'il y a toute personne qui me regarde. Il y a des personnes très avancées spirituellement qui me regardent. Il y a même mes anges qui me regardent. Il y en a qui vous êtes ici seulement pour me protéger pendant que je fais les vidéos. Donc je vous remercie d'ailleurs, merci. Je vous envoie de l'amour. Merci. Je vous remercie. Bien sûr, il y a les ennemis. Il y a la canicule dans leur salle d'attente. Ils font que ça peut entasser là-bas. Donc, le rose, c'est pour la protection. C'est ce qu'ils me disent maintenant. Hein. Vous allez sûrement regarder en ligne, je ne sais pas ce que ça va vous dire. Le rose aussi restaure la confiance en soi, l'amour de soi. Le rose n'est pas premièrement pour attirer les gens, mais d'abord pour te restaurer toi-même en toi. Ange Bams, si tu es bloqué, tu es encore sur mon TikTok. Je peux te bloquer encore si ça ne me dérange pas. Parce qu'il y en a parmi vous, je vous ai bloqué même sur WhatsApp. Quand vous avez vos faux esprits là, je ne suis pas dedans. Je vous dis cash. Je ne suis pas appelé à tout le monde. Il y en a, vous avez vos démons, vous venez pour me tester. Et je vous dis toujours, vous ne savez pas avec qui vous amusez. Donc méfiez-vous de moi. Comme on dit à mon patois, Poma. Poma. Ne vois pas parce que je suis seulement une jolie face. I'm not just a pretty face. Parce que les choisis ne peuvent pas être laids. Il y a trop de lumière en nous, on ne peut pas se permettre d'être laid. Voilà, bonjour, le kit déblocage coûte combien? Depuis 2 jours, je rêve de toi en train de me faire le lavage. Le kit de déblocage plus c'est au Cameroun, c'est 55 000. Et au Gabon, c'est 70 000. Maintenant, si tu es en France, tu vas payer les frais d'envoi toi-même. 55 000 plus le DHL, parfois c'est 40, parfois c'est 45 000. Sachez que quand vous me regardez, le fait que vous écoutez ma voix, vous ouvrez un portail dans votre maison. Pour moi. Donc, si vous savez que vous avez le mauvais cœur là, vos mauvais trucs là, vous là, n'osez pas. Ne tentez pas. Je vous dis, moi, c'est mon enfance. Même quand vous venez, vous faites comme si vous voulez la consultation là, vous faites comme si vous voulez la consultation, alors que vous savez que vous l'avez avec le sel. Tu te laves avec le sel? Non. Tu te laves? Non. Après, commence à m'insulter. Une m'a fait ça hier. Je suis venue chez toi. Il y a cela 2 mois. Tu as refusé de me consulter. Oui, il y avait des démons en toi. Tu tournes, tu fais 2 mois, tu reviens. Les mêmes démons ne sont pas partis. Parce qu'on parle, tu ne comprends pas. Donc, sachez à qui vous devez chercher. Ah, la reine Chacha, ma poudre blanche, oui. Écoutez, les choses que je mets dans mes kits, certains de vos ancêtres viennent dans le rêve parfois vous dire que allez acheter le kit fondation chez la reine Jocelyne. Vous pensez qu'à l'heure là, c'est moi qui je leur ai dit dans le rêve d'aller faire la pub de mes kits? Voilà Lucie qui t'a dit de faire la Thomasie. Que voilà, on vient de m'envoyer 100 000. Vous voilà. Tu es en train de m'écouter, mes esprits de bénédiction sont en train de mettre l'argent dans tes poches. Voilà l'autre qui a dit, là, au lieu de 150 000 l'autre jour. Pour le
Koweït, pour envoyer DHL au Koweït, je ne prends même plus la responsabilité. Si tu as quelqu'un au pays qui peut prendre et t'envoyer là-bas, il y a le Koweït, il y a Dubaï. Vraiment, c'est très délicat. Oui, on peut se laver sans laver ses cheveux. Et il y en a parmi vous, vos démons sont tellement accentués. Il y a une à Dubaï une fois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à dire que Dubaï, là, vous savez, les pincettes. On finit la consultation. Je lui dis que maman, ton degré là, tu as beaucoup de choses qu'il faut faire sur toi. On s'entend sur le prix à l'envoi. Je sois encore mes 15 000 pour payer. Parce que j'avais prévu d'envoyer DHL. Après, moi, que DHL Dubaï, ça passe pas. On trouve donc la personne qui devait envoyer à Dubaï. C'est une autre personne qui me suit sur la page ici comme vous, qui voulait seulement aider. Elle paie son taxi, elle vient chercher ses produits. Elle part de nos transitaires qui envoie à Dubaï. La première personne, il devait partir avec. À l'aéroport, on a refusé qu'il entre dans le vol. Donc, on a refusé à cause des produits de la femme là qui voulait partir avec à Dubaï. Ça énervait la personne. La personne a laissé ses paquets, il est parti. Il a payé les pénalités mais de vol, il est parti. Pour moi, c'est un premier signe. On prend maintenant, on envoie chez un autre transitaire. Ça part. Idel, il ne veut plus que vous mettez, ne mettez plus les numéros en commentaire. Il y a trop de gens ici dehors qui sont des scammers sur ma page. Donc, je redis les numéros 00237 680 71 07 01. Je vais répéter. Plus 237 680 71 07 01. Le deuxième numéro, plus 237 693 50 22 66. Ta fille dit qu'elle aime me suivre, que je suis un ange, que je suis gentil. Oh, je bénis ton bébé. Monsieur Asiba, je ne suis pas au Cameroun. Il y en a ici, là, vous êtes habitué à partir chez les marabouts. Vous êtes habitué à ce qu'ils fassent tout pour vous. Il y a une dame qui m'a contacté avant que je commence mon travail. Elle me dit que il y avait un marabout là qui travaillait avec elle. Le monsieur l'interdisait, il disait que c'est lui qui gêne pour elle. C'est lui qui contacte les ancêtres de la femme là pour elle. C'est lui qui fait les prières pour elle. C'est lui qui, donc, elle ne faisait rien. Je suis au Cameroun toutes les deux semaines. La consultation à Libreville, c'est 40 000. Wow, Clara, regarde ton rêve. Attendez, je vais vous lire son rêve. Elle dit que... J'ai rêvé que j'étais au champ pour cultiver. Vous êtes apparu en blanc. Quand j'ai vu beaucoup d'arachides au sol, je vous ai donné et vous m'avez dit que je serais riche. Clara Tedo, il avait dit que tu as dépassé le niveau où tu vas écouter seulement mes vidéos. J'espère que tu as acheté au moins un de mes produits. Je n'ai pas acheté à peu près. Je vous disais que les kits que je fais sont inspirés par les ancêtres. Chaque chose que je mets là-dedans, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré.
Je sais que vous aimez aussi, vous êtes habitué aux gens que quand vous arrivez chez eux, ils vous disent, non, ne fais rien, relaxe-toi, couche-toi, c'est moi qui fais tout. Un jour, la personne va même te violer en disant qu'il travaille sur toi. Alors, tu ne veux rien faire dans ta vie. Je vous donne les astuces, je vous donne les outils. Vous-même, vous partez défricher votre champ. Et entre-temps, pendant que tu défriches, tu deviens, tes muscles se développent. Tu écoutes les vidéos, si ça t'enseigne. Tu comprends. Il y en a parmi vous, on vous montre cette intention, vous montre comment on vous a bloqué. On te montre comment on avait bloqué ta mère. On te montre comment on a bloqué ta grand-mère. Toi, on te montre comment tu as bloqué dans ta jeunesse. Et beaucoup d'entre vous, vos rêves vont commencer à devenir clairs. Si vous ne rêvez pas, ne vous plaignez pas, ça va venir. Clara, si tu m'écoutes seulement, c'est pas assez. Tu dois acheter un de mes produits pour utiliser sur toi. Ça veut dire qu'il y a un degré de prospérité que tu vas avoir et ça va venir pas seulement de mes enseignements. Je sais que vous aimez bien ça. Malheureusement, c'est votre truc. Vous aimez seulement venir regarder. Vous ne likez jamais une de mes publications. Vous ne partagez jamais aucune de mes vidéos. Vous n'achetez jamais aucun de mes produits. Vous voulez seulement venir sucer de l'énergie et partir. Ce monde est très spirituel. Tout ce que vous voyez physiquement est spirituel, d'abord. Par exemple, voilà deux personnes qui ont dit qu'ils ont reçu 100 000, l'autre a dit 150 000. La personne n'a jamais pensé qu'il faut qu'elle envoie même 500 francs d'offrande. Non. Et les ancêtres, les ancêtres. Parfois, c'est comme s'il te donne quelque chose pour voir ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'elle va reconnaître que ça vient de tel endroit? Tu reçois, tu fais genre, moi j'ai eu, c'est parce que j'ai fait mon lavage au sel. Elle dit, ok, ok. J'ai encore fait même 2 mois avant de voir 100 000. Tu vas savoir, c'est 5 000. Il y a cette, j'appelle ça de l'ingratitude. Qui est en vous, je ne sais pas pourquoi. Je dis encore, Laura Becca, vous n'avez pas besoin de me rencontrer physiquement. Pour me rencontrer physiquement, c'est très difficile. Clara Tedo, commence par prendre le kit de déblocage au moins, le kit de déblocage. Tu peux aider à ta dîme, voilà, ça c'est bien. Les ancêtres vont vous montrer là où vous devez grandir spirituellement. Et quand tu identifies ton endroit, ne bouge plus, vous partez quelque part. Oui, vous pouvez faire une note vocale. Mais votre note vocale de 18 minutes, là, je n'écoute pas moi. Moi, je vous connais bien. Tu vois, c'est que quand tu envoies d'abord le message, BJR, tu n'as pas le temps d'écrire bonjour correctement. BJR. À Libreville, les produits sont à Saint-Germain. La station plutôt Gabon de Saint-Germain. Note vocale de 18 minutes. Tu fais même fois 2, fois 5, ça n'avance pas toujours. Je vais prendre 9 minutes de ma vie pour t'écouter, pour lire. En 9 minutes, je consulte quelqu'un. En 9 minutes, je peux consulter même 3 personnes. Voilà Lucie qui dit que depuis qu'elle suit tout ce qui passe en semaine, elle paie sa dîme. J'ai des gens que j'engage, je reçois souvent 500 francs de dîme. Parce que vous avez compris le principe. Quand tu vas rester souvent, tu vas totaliser combien d'argent tu m'as envoyé par mois. Tu vas voir que c'est le salaire que tu touchais il y a 2 mois. Et si tu m'as donné 10% de ton revenu, supposons que tu touchais 50 000 avant. 3 mois plus tard, tu te retrouves en train de m'envoyer 50 000 au mois. Ça veut dire que tu as eu 500 000 au mois là. Faites bien vos calculs dans vos têtes. Ça veut dire que tu as eu 500 000. Merci la reine Célia. Je suis protégé. Que le bon Dieu me protège. Je suis protégé. Vous n'avez pas besoin d'être consulté. Voilà l'autre qui dit que je suis là-bas avec le Seigneur, j'ai ramassé 200 000. Si tu dis la vérité, c'est bien. Vous devez être conscient de votre protection. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas qui est avec vous. Vous ne connaissez pas.
vous êtes une grande reine. L'année passée, quand la fête a commencé sur moi, bonjour, hein, la reine Célia. Quand ça a commencé, je reste comme ça, là, je pars au marché, j'achète la couronne, je mets sur ma tête. La dîme, si tu donnes ta dîme là où spirituellement, si tu as un problème, tu vas retourner, on va t'aider. Si tu sais que le SDF peut t'aider, peut prier pour toi, ou le SDF peut t'ouvrir les yeux sur ta spiritualité, va donner au SDF. Le jour où tu as un souci, le SDF va prier pour toi. Tiens, vous pouvez m'acheter. Donc, les produits au Gabon, on est à Saint-Germain. Au Cameroun, on à Douala et Yaoundé. Douala, on est à Makepe. Parfois, certains d'entre vous disent, l'autre dit que je me lave avec le sel, je suis toujours sur place. Si on t'a bloqué au niveau 50, le sel, c'est le niveau 1. Tu crois que tu vas venir au niveau 1, tu vas faire. Non. Tu dois faire le sel, faire le pipi, acheter les kits, faire ceci, faire cela. Je donne le numéro de Yaoundé. 655 31 07 50. Chanel, si on t'a mis ça dans les rêves, ça veut dire que tu dois acheter dans la réalité. Achète des bracelets, tu mets sur toi. Achète la couronne, tu mets sur ta tête. 655 31 07 50 Yaoundé. Le Gabon 07 ou bien 074 18 00 80. Yuda, je peux pas être offensé, ne t'inquiète pas. Je peux même pas être offensé. J'ai pris la couronne l'année passée et commencé à mettre sur ma tête moi-même. Dieu a pas forcément, tu dois payer ton kit de blocage. Paye alors ton kit de blocage, je ne sais pas quoi. La période là, je mets la couronne sur ma tête, je marche un jour en haut, je vois une dame, elle garde sa voiture, elle garde une Prado nouvelle version là. Elle m'appelle. Je sortais du parcours vite à le jour là. Flore, si tu viens d'arriver, tu vas regarder les vidéos sur la page. Tu vas voir, non, je montre comment utiliser le pipi, c'est sur la page. Elle m'a arrêté, elle me dit, pourquoi tu mets la couronne sur ta tête? Elle fait comme si elle ne connaissait pas. J'ai dit d'accord. Que je ne sais pas, j'ai eu envie de mettre une couronne parce que c'est que je suis une reine. Ça, c'est l'année passée. Et mais tu es reine d'où? Je dis que non, je suis moi reine, je suis reine. Il dit que madame, vous n'avez pas compris. Je voulais moi tourner pour partir. Elle me dit, effectivement. Elle me dit, effectivement. Tu n'as pas de royauté là. Hein. Ce n'est pas le genre qu'on a donné. Et puis d'autres choses qu'elle a dit que je ne vais pas vous dire. Il y a des choses qu'on vous a déjà demandé de faire dans vos rêves fatigués. Vous êtes réveillé, vous n'avez pas fait. Tu rêves que tu entends te laver avec le sel. Tu ne te laves pas avec le sel. Tu rêves que tu ne fais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que les ancêtres vous fassent? Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Les vêtements que vous voyez dans les rêves, c'est pour acheter. Il y en a, vous voyez même avec le bâton, les bâtons de commandement. Que je me fous avec le bâton de commandement. Oui, oui, oui. Achète le bâton de commandement que tu mets chez toi. Ouais. Cette combinaison de rêve te dit, ne mange pas ça. Mange beaucoup de ça.
Cet homme a dit que ton pouvoir est dans les carottes. Mange beaucoup de carottes. Cet homme a dit, mange beaucoup d'arachides. Cet homme a dit, mange beaucoup de fruits. Et quand tu tombes, tu sais que quand tu fais 2-3 jours, tu ne manges pas les fruits, tu te sens bizarre, tu te sens lourd. Vous devez connaître là où votre force est. Si on doit monter la Belgique, ça veut. À un moment, hein, tous ces visas-là, ça sera facile pour toi. Tout ça sera facile. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour le partage. J'avais pas remarqué que sur TikTok vous avez partagé ma vidéo. Merci. Tu as vu Samuel Eto'o, il t'a donné 120 000 pour l'argent de poche. Voilà. Stéphanie, depuis que je te lave au sel, ça t'aide beaucoup. C'est super. Les visions et les rêves que vous avez, c'est pour que ça se réalise. Donc on a la formation spirituelle cette semaine. On peut dire qu'on a déjà, on n'a pas commencé à enseigner, mais vous avez à commencer le travail. Donc, si vous sentez que vous êtes amené à faire ça, enregistrez-vous. Le numéro est le suivant. Voilà, Charnel, tu ne blagues plus avec tes songes. C'est très important. On verra ça dans la formation d'ailleurs. Donc le numéro pour la formation spirituelle, peu importe votre pays, contactez ce numéro, c'est elle qui se charge de ça. 00237 655 655 31 07 50. Donc Sacha Ducasco dit, je me suis lavé au sel 2 jours après, j'ai eu l'argent de la scolarité de mes enfants. Voilà. Bonjour Maclove. Bienvenue, abonnez-vous. Moi, franchement, les voyants qui aiment vous dire les choses de vous et qui ne vous disent pas comment faire, là, je n'aime pas ça. Au début, quand je commençais les formations spirituelles, il y avait beaucoup de personnes qui venaient à moi. Oui, on m'a dit que je suis appelé à faire ça, on m'a dit que je suis ma foi, on m'a dit que je suis... Oui, on t'a dit, mais on ne t'a pas montré comment faire. On ne t'a pas dit. Il veut seulement vous faire peur, il veut seulement vous alarmer, il veut seulement...
Et après, ils ne vont même pas la direction. Quand un patient entre dans ton bureau, tu lui dis avant qu'il a ça, il a ça. Oh, il y a un serpent dans ton ventre qui te ronge. Il va te ronger jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne me dis pas que viens dans 2 jours, on opère, on enlève le serpent. Oh, tu es envoûté. Il y a quelqu'un qui vole tes finances, il chasse les hommes. Oui, ok, je sais, mais tu m'as dit non. On fait alors comment pour que ça sorte? Donc faites très attention à ces gens-là. Et quand les gens viennent chez moi maintenant, oui, on m'a dit que j'ai, oui, j'ai quelque chose là, comme ça, ça bouge, ça quitte, ça vient, c'est là. Après, ça fait comme ça là. Je dis que tu viens en me disant ton diagnostic, donne alors ton remède, que soigne-toi l'autre. Soigne-toi non. Tu vois, tu ne te soignes pas. Tu es venu dans mon bureau, tu es venu me consulter parce que tu me demandes ce que je peux te guider pour que tu fasses. C'est pour ça que mes consultations, ce n'est pas 5 francs. Et ça énerve les gens. Ça vous énerve et m'en fout. Ce n'est pas n'importe qui. Ils vous prennent les consultations de 5 000 parce qu'ils savent qu'ils vont s'asseoir, vous dites ce que vous dites dans les vidéos. Tout ce que vous donnez dans les vidéos là, c'est ça qu'ils partent vous dire là-bas à 5 000. Et je vous donne déjà gratuitement. Donc maintenant, si tu penses que tu vas passer tout ça et tu vas venir me parler, tu vas payer mon argent. Tu ne veux pas payer, tu quittes. Tu vas regarder mes vidéos. Ando, ça veut dire qu'on va bientôt te proposer ça, non? Maintenant, il faut que... Bonjour Véronique de l'Afrique du Sud. Et là, il faut juste que tu sois prudent et que tu te protèges. Ça veut dire que peut-être on a essayé, on a essayé d'être initié. Soit ils vont essayer. Tu seras juste prudent. Tu vas demander l'esprit de discernement. J'ai ma page TikTok en anglais. Je vais poster en anglais dessus. Le nom c'est Reine Lumière, sans E à la fin. Reine Lumière, il n'y a pas E à la fin. C'est ma page anglaise. Reine Lumière. C'est TikTok. Je vais en même temps faire des vidéos en anglais aussi. Parce que j'ai trop laissé les anglophones. Et vous pouvez prendre le clé de déblocage. Je suis à Libreville, à Saint-Germain. Le numéro, c'est le 07 41 80 080 0741 80 080. Bonjour Pierre du Soleil. Perle du Soleil. Oui, prends le numéro camerounais, tu m'écris avec moi si tu es en France. 00237 693 50 22 66. Bonjour Flora. Attends, j'étais en direct, j'ai seulement arrêté un peu pour te parler. Oui, allô? Allô? Oui. Vas-y, je t'écoute. Pour faire quoi? Ce n'est pas lui le patron. On parle de quel, du compteur, non? Oui, je vais pas. J'ai rendez-vous ce matin pour parler avec le boss de ce plombier.
Donc, généralement, moi, je parle avec les employés des gens. Je parle avec le patron. C'est lui qui fait les décisions. Donc, dès que je finis ça, je vais parler avec le monsieur. C'est lui qui va donner l'ordre au plombier de venir faire ce qu'il a fait. Oui, donc à tout de suite. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Calme down. Ne te dérange pas. Si il ne décroche pas, tu attends juste. Le code, c'est 237 plus 237 plus 237. Après 237, tu mets 600. Merci Flora. 693 50 22 66. J'ai rêvé que vous m'avez dit que je suis clairvoyante, mais qu'il n'est pas encore temps pour moi. C'est la deuxième fois que vous me dites cela en rêve, et surtout lorsque je m'interroge. Ah oui, Henriette, j'avais commencé à faire des vidéos en anglais, j'avais seulement arrêté. Bon, je vois quelqu'un d'Italie qui m'appelle. Ne m'appelez pas quand je suis en ligne, s'il vous plaît. Tu viens de prendre le numéro maintenant, tu m'appelles maintenant. Je vais laisser le direct pour te parler. C'est pas possible, non. Raccroche alors. Ok. Bon, je vais un peu arrondir tout ce qu'on est en train de dire là, parce que je dois aller bosser. Vous devez commencer à être conscient de votre spiritualité bien plus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes partagés. C'est-à-dire, vous croyez au spirituel, mais après, vous vous levez le matin, vous partez dans la vie de tous les jours en oubliant le spirituel. Ce matin, j'écoutais même un monsieur là sur YouTube, il disait, tu dois prier à propos de toutes les rencontres que tu fais. Seigneur, pour cette journée, je vais rencontrer les personnes que tu as mis et désignées pour qu'elles m'aident. Et que s'il y a quelqu'un dans ma vie que je viens de rencontrer qui n'est pas pour moi, ou qui est dans ma vie depuis longtemps qui n'est pas pour moi, hein, permets-moi d'identifier et d'enlever la personne. Ça, c'est une prière très importante que vous devez faire. Hermine, tu dis, ceux qui pensent que vous êtes chers mentalement, ils ne sont pas spirituels. Ils ne comprennent pas la loi de la vie, ils n'ont pas encore rien. Ouais, c'est ça. Et même, je suis arrivé à un niveau où je ne veux même plus. Je veux même plus parler avec n'importe qui. Je préfère que vous écoutez seulement mes vidéos. Écoutez mes vidéos, me laissez tranquille. J'ai consulté un homme ici l'autre jour. Un Français. Il fallait me contacter de la France. Je lui parle après. C'est 16 ans, j'étais très, très. Il parlait très fort, ses anges parlaient très fort. Il parlait, parlait, parlait. À un moment, son ange commence à me. Son ange me montre après ensemble. Donc son ange se montre à moi. Il dit au monsieur, je vois ton ange. Il rit. Je commence à décrire l'ange, il me dit oui, effectivement. Le monsieur avait atteint un certain degré que même comment, ce à quoi son ange ressemble, il connaissait déjà. Il ne veut plus avoir les bêtes conversations avec vous. Quand tu arrives, il doit encore te convaincre que tu es là-bas avec le sel. Pardon, gars, vous savez quoi? Libérez-moi l'aller. Et aussi, vous ne voulez pas grandir spirituellement. L'une des choses qui s'arrange dans ta vie, quand tu commences à prendre ta vie spirituelle au sérieux, l'argent commence à entrer dans ta vie. Je vous dis ça clairement. L'argent commence à entrer. Ce qui fait qu'il y a les trucs de base. Quand on dit qu'il y a ça, tu achètes. Tu achètes. Il y a ça, tu achètes. Les habits spirituels coûtent très cher. Hein. Les habits spirituels, tu achètes ton habit normalement peut-être à 20, 15, 20 000. J'ai des habits spirituels que j'ai achetés à 150 000, 200 000. Supposons maintenant.
maintenant, vu que tu es spirituel, tu es encore à un niveau où tu n'as même avoir même seulement la langue et le loyer, tu n'as pas. La concession au Cameroun, c'est 34 800. En attendant que je remonte mes prix, vous savez que je remonte mes prix tout le temps. Quand quelqu'un vient me voir, pour pas il fait 3 mois, il revient, que j'ai augmenté moi mes prix. La base, tu vas avoir les besoins de base que je vais enlever sur toi. Et ça, c'est avec. Quand tu commences à te concentrer, à te discipliner, ça commence à venir. Tu vois que les petits, les faux problèmes de déplacement, tu achètes la voiture, tu achètes le terrain, tu construis. Toi, ça commence à venir. Le kit de blocage, le petit kit de blocage, c'est 25 000. Mais je vous conseille le grand. Celui-là est plus complet. C'est carrément un kit anti-sorcellerie. Celui-là, c'est 55 000. Je vous parle très souvent de ce monsieur de la Suisse, là. Qui m'a écouté, il a fait son bain de pipi, on a appelé pour l'embaucher le même jour qu'il a commencé à faire le bain de pipi. Il a fait 2 mois, il n'avait pas encore acheté de mes produits. Il me rappelle l'autre jour, il me dit, et c'est tout fier de lui, il dit, il faut maintenant que tu m'envoies, j'envoie les produits à l'étranger par DHL, je consulte par appel audio ou vidéo, on n'a pas besoin de me voir. Et là, il me dit, je suis maintenant prêt à acheter tes produits. Je dis que c'est bon ça. Il dit que je me lave fidèlement chaque jour avec le sel et le pipi. Chaque jour. Pour Libreville, il faut que tu appelles. Ok? 07 41 80 080. Et c'est là que lui dit que quand tu m'as contacté au début, même l'argent de la consultation, tu n'avais pas. Je crois que le premier paiement, il a payé un truc comme 500 euros de produit. Hein. Après avoir écouté mes vidéos pendant 6 semaines. Premier travail, 500 euros. Donc, quand vous commencez à écouter mes vidéos, je crois que vous dites d'aller vous laver avec le sel là. Parce qu'il connaît qu'il y en a parmi vous, même la moutou que tu vas manger aujourd'hui, là, tu n'as pas. Prends le sel, va te laver avec. Va te laver, tu vas voir. Au goyon. Tu vas voir, toi, tu vas confirmer. Toutes les questions sur le bain, c'est sur ma page, papa. J'ai même fait une vidéo avant, tout ça fait peut-être 5 jours par rapport à ça. Numéro de téléphone, c'est le 00237. 693 50 22 66. Le deuxième numéro, 655 31 07 50. 655 31 07 50. Celui que j'ai donné en premier lieu, c'était le 693 50 22 66. Le kit de déblocage, c'est pour une personne. À moins que tu ne prennes le grand kit de 55 000. Là, tu peux partager avec les autres. Il y a des petits besoins que vous devez enlever de votre vie. Vous allez faire un moment où l'argent pour vous ne sert à rien. Tu restes comme ça là. Par jour, tu vas dépenser 500 000. Chaque jour, tu dépenses 500 000. Ceux qui ont les chantiers, vous connaissez de quoi je parle. Chaque jour, tu arrives au chantier, on te dit, oh, 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 400 000 sorts, oh, 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 500 000 sorts. Oh, oh, oh. Vous avez à confirmer le code. La promotion sur le lavage est terminée, il n'y a plus de promotion.
655 31 07 50. Bon, j'ai c'est 34 800. Voilà. Bon, j'ai terminé avec vous. Tu me trouves en direct. Tu me laisses dans le direct. Tu peux m'appeler physiquement. Tu es pas fou. Et il y a aussi les lavages à distance. Parfois, au lieu de faire la consultation, tu peux prendre un lavage à distance. Tu envoies ta photo avec ton nom. Et le lavage à distance, c'est 33 800. La promotion est terminée, il n'y a plus de promotion. 33 800. Voilà. Vous pouvez laver vos maris, vous lavez vos enfants, vous lavez vos... ça dépend de vous. Hein. Je vous envoie de l'énergie, de la lumière pure. Je bénis votre journée. Je déclare que vous êtes lucide durant toute cette journée. Je déclare que l'esprit vous parle à tout moment, vos ancêtres vous parlent. Je déclare aussi que vous avez des révélations et vous les notez. Je viens contre les distractions, tout environnement nocif pour votre croissance spirituelle. Je vous sors de cet environnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Côte d'Ivoire, tu vas contacter le numéro que j'ai donné là. Bon, c'est vrai que c'est une idée. Je peux faire la promotion sur l'équipe. On peut lancer la promotion cette semaine. Quelles sont les équipes que vous voulez le plus? Dites-moi, je vais voir ce qu'elle veut faire. Consultation, c'est généralement pour les Français, Belges, États-Unis, c'est 100 € ou 110 dollars. Kit fondation. Je peux faire le kit fondation à... Je vais vous faire, mais le kit déblocage plus plus, non. Kit commerce, là. Les kits, là, prennent trop d'argent pour faire. Bon, je vais vous donner les promotions sur les produits. On va dire... La réduction, je vais mettre la réduction de 15% sur tous les produits cette semaine. C'est-à-dire, si un produit coûte 10 000 francs, vous pouvez l'avoir à 1 500. Relevez maintenant le code que vous allez donner quand vous allez commander. Écrivez le code. Écrivez le code. Écrivez. 15%, c'est-à-dire, si le kit, si vos produits coûtent 100 000 francs, vous allez payer 85 000. Si le kit coûte 50 000, vous allez payer enlever 7 500 dessus. Non, mais donc, je vais mettre pas seulement sur les kits, je vais mettre 15% sur tous les produits. Mais les consultations, je réduis pas les sous dessus. Parce que la semaine passée, il y avait des promotions par rapport au lavage. Donc, si vous prenez un lavage, vous allez devoir payer complet. C'est des produits physiques. Voilà. Maintenant, le code, ce sera choisi. Donc, vous allez donner, quand vous, je vais donner à tout mon staff dans tous les pays. Donc, je vous donne mon propre code que vous allez donner. OK? Choisi 08. Choisi sans S à la fin. Donc, C-H-O-I-S-I 08 pour août. Vous donnez ce code-là quand vous commandez. Et je vous donne aussi le code pour... je sens envie de faire les réductions de 10% sur les consultations aussi. Vous écrivez
Conçu. 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 08. Donc, conçu 0,8. Et vous mettez 10 à la fin. 10, c'est pour le pourcentage. Et 0,8, c'est pour le mois. Maintenant, conçu 0,8, 10. Là, vous avez 10% de réduction sur vos consultations. Maintenant, pour les produits, choisis C-H-O-I-S-I. Donc, choisis 0,8, 15. Vous écrivez 0,8, 1,5. 0,8, 15. Voilà, conçu 0,8, 10. Et choisi 0,8, 15. Choisi, c'est pour les produits. Voilà. Quand vous contactez mon staff, parce que je ne vais pas donner ça dans toutes mes vidéos, pour que je sache que vous étiez dans ceci qu'on se disait ce matin, vous leur donnez les codes aussi. Merci, Rose. La consultation au Gabon, c'est 40 000. Donc, si tu as les 10% de réduction sur la consultation, tu vas payer 36 000. Et 15% sur les produits. J'avais dit que si tu achètes un kit, peut-être. Je vous ai dit que le kit de truc au Gabon, c'était 80 000, 70 000. Kit de déblocage au Gabon. Au lieu de 70 000, vous allez payer environ, je sais pas, je vais calculer. Ce sera un truc comme 60 quelque chose, peut-être 62 000, 61 000 peut-être, 61 ou 62. Voilà. Ok, bon, je vous ai donné les codes, utilisez-les bien. Si vous me contactez et que vous êtes déjà passé, c'est-à-dire si vous me contactez le 20 août, ça ne sera plus valable. Donc, ça, c'est de lundi-ci jusqu'à dimanche. Voilà. Ok. Bon, j'y vais. J'ai beaucoup de boulot à faire. Je bénis vos journées, je bénis vos projets. Je déclare aussi que votre main s'ouvre pour donner. Je déclare que votre esprit est ouvert pour recevoir les idées. Je déclare aussi que vous êtes conscient de votre mission de vie. J'enlève l'étourdissement spirituel, j'enlève les distractions spirituelles. Que toute personne ou toute chose qui puise votre argent, toute maladie qui prend l'argent de votre maison, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous suce de l'argent. Je déclare que ces choses sont annulées au nom de Jésus. Je ferme les trous par lesquels on entre dans votre maison pour vous faire du mal. Que ce soit les collègues au boulot, que ce soit les personnes, les maris, femmes qui vous découragent. Je déclare que ces personnes, désormais, vous laissent tranquille. Consultation Afrique du Sud, c'est en dollars. Je vais te dire les dollars américains. 110 dollars. If you make 10% of $110, that's $11. So for consultation, you're going to pay $99. USA dollars. Il déclare que ceux qui priaient pour avoir l'argent du kit pour payer leur kit cette semaine, il déclare une rentrée d'argent exceptionnelle aujourd'hui. Et quand ça vient, vous faites ce que vous aviez prévu de faire avec. Donc, Clara, depuis que tu commentes là, c'est aujourd'hui que tu te rappelles que c'est ton anniversaire. Comment tu peux dire comme ça? Tu ne réfléchis pas bien. Hein? Quelqu'un a dit depuis 2 heures, tu ne dis pas que c'est ton anniversaire. On n'est pas le 11. Je ne te souhaiterais pas le jour d'anniversaire. On n'est pas le 11, Clara. Ne fais pas le truc comme ça, je n'aime pas moi. Oui, Henri, contacte le numéro. Plus 237. 693 50 22 66. 693 50 22 66. Je ne demandais, ne donnez pas vos numéros à quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Prenez le numéro, prenez le temps. Pour la dîme, tu es dans quel pays, ma chérie? Toi qui veux payer ta dîme.
Si vous êtes au Cameroun, il y a Orange Money, 680. Prenez que les numéros que je vous donne avec ma bouche. 693, donc c'est Orange Money, 00237, 693, 50, 22, 66. 693, 50, 22, 66. Et le nom, c'est Joseline. Bonjour, le roi James. Je pensais à toi tout à l'heure. En vrai, quoi. Petit bobon, hein. Et monsieur le sirois. Visili, prenez les numéros pour nous contacter. Une box. Plus 237 693 50 22 66. Quel que soit votre pays. 693 50 22 66. L'autre numéro, 680, donc plus 237. 680 71 07 01. Consultation et lavage à distance. Tu vas envoyer 100 euros. Et ça, je peux faire les deux en même temps d'ailleurs. Je te consulte et puis je fais ton lavage en même temps. Donc, si tu profites de la promotion, ça va te faire. Ceux qui veulent parler en urgence et c'est rapide, tu paies 100 euros. Vous me parlez dans les 24 heures. Bon, contactez une bourse, on vous donne les prix. Vous donne les monétaires. Ok. Si tu es au Koweït pour faire le Orange Money, tu envoies souvent l'argent à ta famille au pays comment? Laura Wolf, j'ai perdu ton numéro. Pardon, écris-moi sur WhatsApp. Oui, oui. Oh, Piab. Oh, Piabo. Fais-moi un message. MTN, c'est le 680. Même Sendwave, 680. Donc, plus 237. 680 71 07 01. Le prénom, c'est Jocelyne. Je donne les numéros. Prenez les numéros, vous écrivez inbox. Arrêtez. Donc ça, vous avez fait en venir vous scammer ici sur Facebook. Je veux la consultation. Quelqu'un m'allait créer un faux profil avec ma photo pour venir te décrire. Parce que vous aimez la paresse. Vous aimez la paresse. Oh. I have another channel where I speak in English. Okay? That channel's name is Reine Lumière with no E at the end. Reine Lumière. There's no E at the end. MTN is 680-670-7701. And the name is Jocelyn. Le kit fondation, c'est normalement 55 000. Maintenant, quand on te fait la promotion, je viens de vous dire que j'ai les promotions. Promo pour le kit fondation. Donc, si on enlève 15% sur 55 000, vous voyez le prix que ça va donner, vous payer. So look for me on TikTok. I will be publishing my messages in English. My account is Reine Lumière. There's no E at the end.
Thank you, Mr. Waffle. All right. I think I'm done with everybody here, okay? So we might speak later in the evening. I'm not sure yet. On peut parler le soir peut-être. Bon. Achetez vos produits, faites votre travail spirituel, lavez vos selles, lavez-vous avec le pipi. Si vous avez des témoignages, revenez donner vos témoignages. Les dîmes à payer, centrez toutes vos dîmes et tout ça là sur les deux numéros que je vous ai donnés. Et quand vous faites ça, vous faites une capture d'écran, vous envoyez le message. Comme ça que je puisse bénir votre dîme. Et je vous ai montré comment prier vous-même sur votre dîme avant de payer. Donc envoie ta dîme que tu as prié sur ça toi-même. Voilà. Priez sur votre argent avant d'envoyer à quelqu'un. C'est comme ça que vous avez fait ça. Les scammers là, ça ne va pas tomber dans leurs mains. Hein. 20% c'est pourquoi ma chérie? Nadine Rodriguez. J'ai pardon, quitte avec l'esprit de pauvreté là, mais sur ma page, 20% c'est bon quoi. Qui t'avait l'esprit de pauvreté? La semaine passée, j'ai réduit les lavages ici, là, les lavages des enfants et des adultes. Pour les adultes, j'ai envoyé, j'ai enlevé 40% sur les lavages. Au lieu de 33 000, les lavages étaient à 20 000 francs. Pour les enfants, au lieu de 33 000, c'était à 10 000 francs. Non, il dit que 20%, 20%. Rosine, prend le kit de déblocage. Ma reine, je fais mes bains avec le sel, mais je me sens seule. Je n'ai pas, j'ai le moral bas. Le sel, c'est la porte d'entrée. Après, tu dois acheter le sel. Pas lui laver ton cœur, il reviendra, tu as ma parole. Ok, dis-le entre vous là, comment ils vont faire. Bon, Facebook, passez une très bonne journée. Que vos projets se passent bien. Que ce que vous avez à faire marche bien. Nina Rodriguez, amuse-toi toujours. Un jour, tu vas t'amuser en ça que tu vas voir que tu ne vois plus mes publications qui étaient bloquées sur ma page. Et c'est moi une blague avec vous. Vous faites vos affaires, moi, ils vous bloquent. Ils te bloquent immédiatement.